Son travail a eu un écho à travers tout le continent. Et Denis Sassou Nguesso, en 1986, est élu président de l'Organisation de l'Unité Africaine, OUA. Parmi les nombreuses réalisations figurent la création du Fonds africain, des actions dans la lutte contre l'apartheid et la signature, le 13 décembre 1988, du protocole historique de Brazzaville qui a permis l'indépendance de la Namibie, la fin de l'apartheid, la libération du grand leader Nelson Mandela et la création du nouvel État d'Afrique du Sud.